Congratulations on the win just down here in front of you. You know, coming into this fight, you were predicting that you would probably get an easy KO. How surprised are you at just how tough he was tonight? Surprised of the fight? Yeah. How tough he was? I feel good. My opponent, it's a good striker. It's very hard to be better him in striking. And I see I can be a better wrestler. And I take him down. And I take a punt. And when the fight... when the... comment dit l'arbitre déjà? The referee? When the referee take us up. And my uncle say me it's time to play. Because I like MMA. I feel good and I go to win. And he got you in that last minute triangle. Can you talk about what was going through your mind during that moment? In my mind, I thought to me, I can say stop. I'm ready to die. I'm in Paris. My public is here. I'm ready to die. Just I need to wait 1 minute and win this fight. Did that, you know, with the expectations obviously coming from the MMA factory, it being in your home in Paris, you know, huge expectations for you tonight to come out and put on such a great performance. Did you ever feel the pressure going into this weekend? Yeah, I feel the pressure because I see a lot of media, a lot of people send me message. Yeah, pressure, but I'm someone very cool. For me, it's easy to calm down. I talk to my team because I have Nasourdin. I take his experience. I have Cyril Gann. I take his experience. My uncle, Gregory Baben, and Fernand Lopez. I have a good team, and I can control all my feelings. Yeah. And Francis Ngannou actually tweeted about you. He said, this kid is going to be a monster. If he goes down to bantamweight, he has serious power. What's your reaction to that? Oh, it's good to know that because he's a good fighter, and one day I will be champion like him. It's an example, but I like it. I like it. It's not easy to go down. I like it, but it's one idea. Thank you. Congrats. Thank you. William over here. Congratulations on the win tonight. Thank you. You know, a lot of debuting fighters in the last 2 years have fought in the Apex with no fans. You got to have your debut in front of all your fans in Paris. Is it going to be hard now if the UFC says next fight has to be in Vegas at the Apex? Oh, for me, it's good to have a lot of public. If you have a lot of public, and here it's Paris, all my public is here, and I take all the power in the cage, and it's more easy to win for me if I'm in Paris. Absolutely. And have you thought about when you would like to return? When would you like to fight again? Oh, I want to fight tomorrow. I don't think there's a card. Yesterday. Well, looking forward to the next fight. Congrats. Thank you. William, congrats on your victory. Do you have a name in mind, someone you would like to test yourself against in the future? I don't have a name. I want all the division. I want all the division. I'm ready for everybody. And you see yourself staying at featherweight? You know, we were discussing about, you know, dropping down a weight class. How do you see yourself? I feel good in featherweight, and I like it. For me, it's not easy to go down, you know? What do you like to eat? What's your favorite food? Oh, lot of things. And my wife is good in the kitchen. I like it, that's all. Merci, félicitations. Merci. Tu parles français, fallait me le dire. Merci. Bonsoir William. Bonsoir. Juste ici. Ok. Bon, déjà félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup.
C'est ton premier combat à l'UFC, première victoire, à Paris, en main card, devant ton public, à Paris, c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai déjà dit d'ailleurs. C'est magnifique, c'est incroyable deux fois. Ouais, est-ce que tu peux justement me dire ce que tu as ressenti? Est-ce que tu arrives à réaliser, là on est à chaud, on est quelques minutes après ton combat, est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens là? Alors crois-moi que quand tu entres au milieu de l'arène, que tu entends tout le public, crois-moi que tu te rends bien compte que tu es à Paris, quoi. On les entend et ça te donne tellement d'énergie. C'est juste incroyable d'être ici, quoi. T'étais stressé un peu avant ton combat, premier à l'UFC, c'est toujours peut-être un peu Je suis plutôt quelqu'un de détente, mais j'étais un peu stressé en arrivant. Mais une fois que je les ai entendus, en fait, tout est parti. Je me suis dit que j'avais toute la force avec moi, donc j'ai toute la force avec moi, pourquoi avoir peur? On est prêt. Et on a vu que le combat avait commencé un peu doucement et petit à petit s'est monté jusqu'à une fin complètement folle. Est-ce que tu peux me parler justement de cette fin incroyable? On est monté crescendo. À la fin, j'entends mon coin, Grégory Babet, mon ami Sofiane, Fernand Lopez leur dire écoute, tu veux ça depuis, non? Et Fernand qui me dit on y est là, on y est. Et puis je me suis dit allez, on va s'amuser, c'est parti. Donc voilà, on y est allé à fond. À la fin, il m'a pris dans son triangle. Il restait une minute, j'avais entendu mon coin dire une minute juste avant qu'il me prenne. Je me suis dit, autant tenir une minute. Donc, je ne pouvais plus respirer, j'ai entendu mon public. Je me suis dit, on est à Paris, je préfère mourir que d'arrêter. Dernière question, il y a quelque chose qui m'a marqué, moi. C'était au début du troisième round. Je crois que vous vous êtes fait une petite accolade avec ton adversaire. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette relation entre les combattants dans laquelle vous êtes des guerriers, prêts à tout donner pour la victoire, mais vous êtes aussi, peut-être pas dire des amis, mais voilà, des gens qui se respectent vraiment beaucoup? Il y a beaucoup de respect dans les sports de combat, c'est les arts martiaux, c'est la base, le respect. Donc forcément, c'est mon adversaire, mais après ça peut être mon ami. Et puis si on ne doit pas s'affronter, ça peut être mon ami aussi. Donc forcément, pourquoi avoir de la haine envers lui? C'est pas mon adversaire dans la vie, juste dans la cage. Félicitations. Merci beaucoup. William, félicitations pour cette victoire. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a quelque chose qui t'a gêné chez ton adversaire aujourd'hui, ce soir? Non, il n'y a rien qui m'a gêné, puisque avec mon équipe, on avait bien analysé, même si on n'a eu que 10 jours. Donc, je le connaissais à peu près. Au niveau du pied-point, c'était assez serré, donc je suis allé marquer mes points en lutte. J'ai vu que j'étais meilleur que lui à ce niveau-là. Je me suis dit, on y va, c'est parti. Je vais leur montrer ce que je sais faire aussi en lutte. Est-ce qu'il y avait une stratégie particulière ? Il y avait une stratégie particulière, oui, qu'on avait bien bossé, donc toujours être dans son angle mort et le contrer, l'attaquer quand il le faut. Non, c'était bien réfléchi tout ça. Alors du coup, bon, décision majoritaire, oui. Deux juges en ta faveur, un qui a donné un match nul. Toi, au moment de l'annonce de la décision, tu la sentais comment ? Je le sentais déjà bien, je savais que j'avais gagné. Je savais que j'avais juste à m'en tirer de ce triangle qui était bien fermé parce que je respirais même plus un peu, quoi. Donc il fallait bien gagner. J'étais prêt pour. Donc tu dis, t'as passé une minute en apnée, t'as cru que t'allais y arriver ou pas? Je savais que j'allais y arriver. C'était soit je tombais, soit je réussissais. Donc il n'y avait pas le choix, en fait. Ok, du coup, première victoire pour ton premier combat à l'UFC. Je sais, la dernière fois, tu nous as dit que tu étais prêt à boxer tout le monde. Mais est-ce que là, il y a une ouverture un peu plus précise? Pas du tout, je suis toujours prêt à boxer tout le monde. Donc d'abord, je vais faire mes 4 premiers combats. Je vais tout faire comme il faut, on va gagner. J'espère qu'il y en aura encore à Paris parce que c'est magnifique ici. Et ensuite, après ces 4 premiers combats, on ira chercher le top 10. Et dernière question pour moi, est-ce que du coup, tu es content de ta prestation? Je suis super content. Pour un premier combat, je trouve que c'était bien, c'était cool. Le truc, c'est qu'après les combats, je me dis toujours que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est comme ça, on prend comme ça vient. Et on fera de mieux en mieux. Première expérience, donc je vais progresser encore. Et du coup, dernière question. Comment ça s'est passé dans les vestiaires avant le combat et après le combat? Ça s'est très très bien passé. Donc là, j'ai pas eu le temps de retourner dans les vestiaires puisqu'on enchaîne les médias. Donc c'était... Même Nassourdine qui est en train de combattre actuellement, qui était en train de m'encourager. Donc là, j'ai envie de l'encourager à mon tour, quoi. On est tous ensemble, on est avec la même Factory, il y a tout le club dans les vestiaires, donc forcément, on est à fond. Merci William. Merci. Bonsoir William. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Il y a quelques mois, c'était au mois de juin, on discutait et tu me disais qu'il fallait croire en ses rêves. Là, c'est fait. Qu'est-ce que ça fait d'intégrer l'UFC? Qu'est-ce que ça fait de combattre devant tout le monde à Paris, là? C'est juste magnifique, en fait, de combattre à l'UFC. C'est un rêve. Je travaille pour ça depuis... ça fait plus de 11 ans que je travaille pour ça.
Donc forcément, pour moi, c'est pas un accomplissement, c'est un début, parce que mon rêve, c'est la ceinture. Maintenant, on s'en approche. Donc forcément, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Je tremble même un peu tellement que ça me fait plaisir. Ça y est, on parle de ceinture. Exactement. La tête de qui, là ? La tête de qui ? Allez, sors un nom. Franchement, je n'ai pas vraiment de nom, parce que même le champion de la catégorie des featherweight ne me fait pas peur. Je trouve qu'il n'a rien de spécial, c'est juste le champion, donc on va aller chercher sa place, c'est tout. Okay. Ben, je t'en remercie et encore bravo. Merci beaucoup. Pardon, juste une question. En fait, on a vu Francis Ngannou qui a laissé un petit message sur Twitter et il a dit William Gomis, ça serait un phénomène s'il descendait dans la division inférieure. Est-ce que toi, tu y as déjà pensé à ça ? Attendez deux secondes, je suis content. Il y a Nassourdine qui vient de gagner, là. Magnifique. Oui, j'ai vu son message sur Twitter. On me l'a montré quand je suis sorti. Donc, oui, ça fait plaisir d'avoir un message de sa part. Donc, on me le dit tout le temps, en fait, que je devrais descendre d'une catégorie et que je pourrais être un vrai monstre. Mais je pense pouvoir être un monstre aussi en featherweight. Et puis, mon petit péché mignon, c'est que j'aime bien manger, quoi. Merci. Merci. Bonsoir William, félicitations. Petite question pour le Figaro Sport. Benoît, après sa victoire, il a dit que les premières secondes du combat étaient assez compliquées pour lui de rentrer dedans. On aurait dit un rêve, un film, comme dans un jeu vidéo. Comment toi, tu as utilisé l'énergie de Bercy, les encouragements ? Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que tu as mis du temps à te réveiller ? Ou directement, ça t'a puisé de la force ? J'ai entendu le public et ça m'a réveillé aussitôt. C'est-à-dire que quand je suis rentré, que j'ai commencé à toucher toutes les mains, j'étais déjà dans le combat. En fait, comme si quand je l'ai touché, tu vois, dans Dragon Ball Z, là, quand il prend la force de tout le peuple, eh ben, ça m'a fait exactement pareil. Je touchais tout le monde et je me suis dit, mais je suis chez moi et je vais gagner. Donc, quand la cloche a sonné, j'étais déjà dedans. Je savais que, voilà, qu'il fallait y aller. Je n'ai pas eu de mal à rentrer dans le combat. Et deuxième petite question, juste après cette fin de combat intense, hein, dans le triangle, tu as rendu hommage à ta maman au micro de l'Octogone. Tu peux revenir un peu sur l'importance de ta mère dans ta formation, ton évolution ? Ma mère, c'est hyper important pour moi, puisque ça fait depuis que je suis tout petit qu'elle me dit, c'est elle qui me répétait constamment que je deviendrais quelqu'un. Elle me disait, un jour tu seras quelqu'un, mon fils. Et petit à petit, j'y ai cru moi aussi. C'est pour ça que tout le temps, je répète à tout le monde, croyez en vous. C'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui même, c'est ma femme maintenant qui me le dit tous les jours. Il faut que tu continues d'y croire. Et voilà, elle est là, ma force. Merci à toi, félicitations, William. Merci beaucoup.